Hola a todos, ici Leader One et je vous présente aujourd'hui une game entre le joueur Plotos Azu, enfin Mousse Azu, en fait son pseudo c'est Azuops, le joueur allemand de la team Mausprolz. Donc Mousse, une énorme team européenne avec des joueurs comme Moro, donc grosse team. Et son opposant n'est rien d'autre que le Telan, TLO The Little One de la team Liquid. Donc bon, c'est pas le premier VOD que fait sur cet homme, puisque bon, c'est considéré comme un des tout meilleurs randoms au monde, joueur random, et il est très très apprécié de la communauté, parce qu'en fait, il a un jeu très très, comment dire, enfin il est pas du tout standard en fait, il fait plein de choses qu'on n'a jamais pas l'habitude de voir, des drops, des nukes, enfin un peu tout. Si on s'attend à un build, et on peut être sûr qu'il le fera pas. Du coup, j'ai trouvé cette game, donc j'espère que ça va envoyer du steak. Grosse information aussi, la team Leader One est désormais sur Facebook, le réseau social, et donc si jamais vous voulez venir faire un petit coucou, voir les dernières informations, les photos, les vidéos, n'hésitez pas à aller dessus, vous trouverez plein de petites infos utiles, et c'est toujours sympa de voir que ça plaît, ou que ça plaît pas d'ailleurs. Donc commentons un petit peu la map. Donc nous sommes sur le Chakuras Plateau, donc Chakuras Plateau, une map assez grande, une map 2v2, avec voilà, une B2 ici, et là ils sont en grosse position, donc c'est très long pour aller chez son adversaire. Du coup, si on est terrain par exemple, si on veut aller agresser, les early aggression, c'est pas vraiment évident parce que le temps que les renforts arrivent, et ben l'autre il a déjà B2 et on a déjà 20 minutes de game, donc c'est pas très effectif. Et à côté de ça, le joueur Alzuops qui a fait un build standard avec Pylone, Gate, Raffinery, enfin un simulateur, il nous repose un autre pylône. Et le joueur TLO, alors lui qui nous a fait un truc pas standard du tout, hein, puisqu'il a fait un Command Center First, Command Center avant baraque. Donc bon, j'avais parlé de ce joueur comme quoi il était un peu original, que c'était un peu un fou dans son slip. Et ben franchement c'est vrai, puisque bon, on le voit pas souvent ça. Et pour le coup là je dirais que c'est plutôt bienvenu, dans le sens où voilà, ils sont en grosse position. Lui il l'a pas vu en fait, TLO, il sait pas du tout comment ça peut se passer. Mais parce qu'en fait, bon, alors, il faut aussi savoir quand même que sur cette map il y a un petit truc, c'est qu'on veut pas être en close position terrestre. C'est-à-dire que son adversaire peut pas se trouver là, parce que sinon ça aurait été trop dur pour les zergs. Si par exemple là le zerg il fait fast B2, la B2 de son adversaire est juste là, du coup c'est vraiment trop difficile à défendre. Et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de close position terrestre. Il peut y avoir soit une close position aérienne, soit une cross position en tout cas. Et là c'est le meilleur des cas pour TLO qui va fast expand. Et donc, alors là, Azuops, il a un choix à faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, lui, il a décidé de poser une autre gate. Donc, je pense que ça va être de l'agression. Mais il avait le choix. Soit je pose des gates et je suis parti, je vais chrono-booster mon warp gate et je vais aller l'embêter. Soit, eh bien, je pose une B2, sachant que j'aurai un petit retard par rapport à mon adversaire. Mais bon, avec les chrono-boosts, je chrono-boosterai bien mes probes. Et au final, bon, il ne serait pas trop perdant. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il vient de poser un petit pylône en fourbe ici. Du coup, il va pouvoir warper des unités ici et directement pouvoir arriver chez Liquid TLO et essayer de faire du dommage. Donc là, pour l'instant, il est sur quoi? Une, il va être sur deux gates. Il chrono boost toujours bien son cybernetic core. Donc oh là là, il a essayé de circle le petit VCS et finalement il a réussi. Donc pas plus d'informations pour The Little One. Et je pense que ça va être un 2 gate push avec du warp. En plus en face il n'y a que du Marlins, il n'y a aucune add-on. Du coup c'est vrai que si warp des stalkers ou avec des îlots avec des bons force field, et ben ça risque de pas forcément être évident. Non, ça y est, il décide de poser B2. Et il va quand même partir à l'agression à mon avis, puisque voilà, il emmène ses unités, il a un petit pylône ici, et voilà, petit prop. Donc là plutôt un bon contrôle map. Je tiens quand même à signaler que voilà, il y a une petite modification sur Chakuras Plateau par rapport au Chakuras qu'on connaissait d'avant. En fait, avant il y avait des rochers ici, on pouvait mettre des tanks et taper directement une éventuelle B3 ici. Désormais c'est plus le cas, ça a été un peu modifié. À côté de ça, voilà, il y a des rochers ici. Si on veut avoir accès, donc là, il n'y a plus de rocher ici, il n'y a plus de backdoor là, par contre, il y a une B3 ici. Et attention, une première fight qui va s'avérer, et là, attention, non, il y a trop, TLO s'en rend compte, et là, voilà, Azuops qui avait essayé de back, il essaie de back ses unités au maximum, voilà, il micro bien, il veut perdre le moins possible,
Et au final, bah là, TLO, bah pour l'instant, pas très effectif parce qu'il a perdu quand même pas mal. Il a dû perdre 3 VCS, au moins 5 Marines. Et du coup, bah là, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et voilà, donc il sort les VCS. Donc là, très bon move de la part d'Asiops. Parce que non seulement il arrive à sniper quelques VCS joliment, mais en plus, voilà, il pose B2 et il empêche TLO d'avoir du temps de minage. Donc là, voilà, The Little One qui pose un bunker. Je pense que c'est vraiment ce qu'il lui faut, un bunker. Ça lui fera du bien. Et là, il y a quand même une bonne force en présence de la part du joueur Protoss allemand, Asiops, qui a quand même pas mal. Du coup, TLO qui est encore obligé une fois de ramener ses VCS. Et là, franchement, il perd beaucoup, beaucoup en temps de minage. Bon, c'est vrai qu'il a deux command center, donc il a double mule. Mais bon, est-ce que ça va suffire? Là, il est obligé de renvoyer des VCS pour se faire le boom. Pour finir le bunker, ça y est, il a enfin réussi à mettre quelque chose dedans. Oh là là. Non, il va le perdre, il va le perdre. Oh, c'est bête, un petit peu, il a perdu un stalker un peu gratis. Et à côté de ça, un petit tour au niveau des incomes. Et donc là, ouloulouloulouloulouloul, 32 collecteurs pour Asiops contre seulement 17 pour The Little One. Donc bon, là, il les produit, on regarde un petit peu la production, il les produit, non, hein, il a... Voilà, il les produit 2 par 2, donc ça va revenir. Mais à côté de ça, Asiops, il les produit aussi 2 par 2. Hein. Il en produit un là et un là. En plus, il chrono boost. Du coup, franchement, ça produit pas mal. Donc, on va voir un petit peu sur quoi est parti le joueur Protoss, puisque ça s'est un petit peu calmé là. Donc, il a rajouté une gate. Donc, il va être sur 4 gates. Une robotique. Non, 5 gates. 5 gates robots. Et donc, bon, bah, il va quand même pouvoir commencer à pas mal. À pas mal faire de dégâts, là, à pas mal produire, alors que le joueur The Little One, il est parti. Alors, ouais, alors là, je crois, on va avoir du Thor, parce que là, je viens de voir qu'il pose une armurerie et il a deux factories. Donc, à mon avis, on devrait voir du Thor. Donc, alors ça, attention, c'est parti de Thor. Et attention, le Thor, ça pique, oui, ça fait de gros dommages. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y avait eu des changements pour les priorités d'attaque concernant les VCS. C'est-à-dire qu'avant, quand on prenait un Thor, on emmenait des VCS. Et quand on était au milieu d'une armée, et ben l'armée adverse, elle tapait le Thor et pas les VCS qui réparaient. Maintenant, il y a une priorité d'attaque qui est similaire pour le Thor, aussi bien pour le Thor que pour les unités qui réparent. Et du coup, bah, je trouve que c'est un peu moins rentable d'avoir des Thor. Et il lance le canon de 250 mm. Donc ça, je pense qu'en fait, c'est parce qu'il s'attend à avoir des immortales. Et c'est bien compréhensible parce que Immortal contre Thor, ça fait vraiment le café. Mais à côté de ça, quand on balance un coup de canon sur un Immortal, et ben il n'y en a plus. Et du coup, bah ça marche. Donc là, le Thor avec les petites ailettes, ce qui nous signifie que The Little One a la version collector de StarCraft 2. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi la version collector. Regardez-moi ce petit sigle. Et donc là, une bonne force. Et là, voilà, Azu qui utilise bien, il micro bien, là, parce qu'il a perdu aucun stalker, et il arrive à se faire des unités, parce que les torts, c'est long, les stalkers, ça a une grande portée, et du coup, bah c'est pas mal. Et comme je disais, c'est vrai que quand on est terrain, c'est pas évident, parce que c'est très très long d'aller chez son adversaire, et d'autant plus quand on a des torts, parce que les torts, ça avance vraiment à 2 à l'heure, quoi. Et du coup, bah là, franchement... Enfin, continuer de pusher, il aura le temps de warper 200 unités. Et là, franchement, avec ce qu'il a, il arrive au milieu de ça. Je suis pas sûr que ça va suffire. Là, le canon de 250 qui va bientôt se poser. Et là, attention, je vois, il y a énormément de pylônes. Oula, je crois qu'il a annulé le canon. Attends, je vérifie. Oui, il a annulé le canon de 250. Finalement, il n'en a pas jugé que c'était nécessaire. Et là, Azu qui balance beaucoup, beaucoup de pylônes. Voilà, il cancel. Et avec un ops, donc ça, c'est pour warper directement. Est-ce qu'il l'a vu, lui? Non, TLO, attends. On se met dans la vue de TLO. Oui, il l'a vu. Il a rien envoyé. Et ça y est. Oh là, du stalk, du zilote dans la base. Ça, c'est jamais bon. Du coup, voilà. TLO qui est obligé de ramener son armée. Mais le gros problème, c'est que son armée est très très peu mobile. Parce que bon, bah, les Marines, ça va, c'est encore assez mobile. Mais alors, les Thor, mais je parle pas ça. Ça bouge absolument pas. Là, il a beaucoup de ressources pour le moment. Là, petit misclick, je pense. Parce que là, il est en train de défoncer son orbital command. Donc je disais que ce joueur joue comme on ne s'y attend pas. Et oui, il pète ses bâtiments, il arrive à gagner. Non, quand même pas. Et là, quand même, grosse force en présence de la part de Asiops. Voyons voir ce que ça va réussir à faire. Donc les force fields. Bon, les force fields, faut savoir quand même qu'un Thor, il les écrase. Les Colossus, c'est pareil. Et les Ultras, c'est pareil. Ça fait pas de... Ça sert pas à grand chose, je dirais. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu bloqué quand même les Marines. Donc bon, why not. Et là, TLO, quand même, il est pas si bien que ça dans la game. Parce que... Il a subi de grosses pertes, je pense notamment ici à cause des îlots. On va regarder un petit tour au niveau des incomes. Ouais, voilà. Il y a quand même 14 collecteurs de différence. Oula.
Azu à côté de ça, lui il sent méga bien puisque voilà qu'est-ce qu'il fait? Ouais bah moi je suis pas pénible, hop je pose ma petite B3 et du coup ça y est on a droit à un Azuops sur qui est sur B3. On part un petit peu maintenant, qu'est-ce qu'il nous pose voilà. Alors le Twilight Conceit c'est pour la charge. Pourquoi la charge me direz-vous? Eh bien je vais vous dire pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'en fait que les îlots de charge contre les torts, une fois qu'ils arrivent au CAC, quand il y a 4 îlots qui entourent un tort, et ben le tort c'est très 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 difficile, il se fait vraiment super vite défoncer la tête. Et alors là, j'avais pas noté encore, mais TLO voilà, qui nous fait standard, 3 Stasioports avec Tech Lab, et qui nous part sur Mass Banshee. Et donc la Banshee, why not, puisqu'il va y avoir pas mal de Zilot et de l'Immortal, mais à côté de ça, il y a quand même un certain nombre de Stalkers. Et du coup, bah, les Stalkers, quand même, ça dépop les Banshees. Et nous avons le droit, attention, à un Dark Shrine, donc Azuops, qui fait un peu vraiment toutes les techs là, puisqu'on va avoir du DT. Et franchement, ça peut être vraiment effectif, parce que si on regarde. Oh là là, mais j'ai un petit problème avec ma souris. Si on regarde. Ici, voilà, il a un ops, il a reposé un pylône, et du coup, franchement, tu warp du DT, on arrive ici, il n'y a aucun moyen de détection, vraiment nulle part, et du coup, très 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 difficile. Et là, attention quand même, il y a une grosse armée de la part du Protoss, je pense que quand il voit l'armée de The Little One, il se dit, ouais, c'est bon, tranquille, t'inquiète. Petit tour au niveau des armées, ouais, voilà, on voit qu'il y a quand même plus de la part du Protoss. En plus, voilà, on va voir ça warp encore. Là franchement il est bien 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 dans la game. Il y a de la Banshee, mais à côté de ça il y a énormément de Stalker. Il y a du Zilo de charge, il y a du Blink. Le premier DT voilà qui est warpé ici. Et voyons voir la game ce que ça a donné. Oulala, mais c'est très 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 difficile pour The Little One dans cette phase des EPS qui se fait complètement dézingue la tête. Et les Banshees qui sont bien focus une à une et elles ne résistent pas, franchement elles n'ont pas fait grand chose. Et c'est le GG de la part de The Little One. Donc TLO qui est qui a joué vraiment une strat originale. Bon, il est parti sur Command Center Fast, puis après sur du Thor et tout. Il a quand même réussi à repousser le premier push sur The Gate de Azuops, mais il a subi de gros dommages et finalement il n'a jamais réussi à revenir dans la game. Et Azu qui avait toujours un coup d'avance sur son adversaire, voilà. Il avait les Zio de charge pour les Thor, il avait les Stalker pour les Banshee. Et bon, il avait en plus les DT qu'il aurait pu warper ici s'il le sentait. Donc félicitations à lui. Donc j'espère que vous avez tous apprécié ce VOD qui a été fait avec grand amour. Donc comme d'habitude, si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas à les faire, que ce soit positif ou négatif. N'oubliez pas l'information du jour, The Leader One Steam est sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller y aller, ça fait toujours plaisir. Et sinon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, la petite bise, ciao!